Salut à tous, c'est Sukhoi et bienvenue sur West of Dead pour un épisode First Contact. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et c'est un roguelite qui prend place dans un univers western. C'est un peu particulier puisque on est déjà mort en fait, on est au purgatoire. On ne sait pas trop qui on est ni pourquoi on est là et on va devoir le découvrir à travers de nombreux niveaux. Bon, nombreux, il n'y en a que quelques-uns en vrai. Mais comme le principe du roguelite s'applique, on va souvent les revisiter. C'est pas sur la première run qu'on risque de s'imposer. J'ai eu la chance de voir le boss de fin déjà. Et je ne l'ai pas encore battu après une petite dizaine d'heures de jeu. Alors, je ne suis pas forcément un bon joueur. Donc ça vous donne pas forcément une indication sur la durée de vie. Mais il y a quand même de quoi faire. Alors évidemment, il y a un aspect un peu répétitif. De par le principe des roguelites, on revisite toujours un peu les mêmes environnements, on refait les mêmes choses. Mais c'est pas forcément gênant dans le sens où, évidemment, les niveaux sont générés aléatoirement. Donc je ne sais jamais vraiment ce qui va m'arriver. Il y a quand même des constantes. Le type d'ennemis qu'on va trouver dans certains niveaux sont toujours les mêmes. Il y a également certaines salles qui sont toujours présentes. Là, par exemple, je suis sûr de tomber sur un coffre et également au moins deux pièces dans lesquels je peux augmenter le niveau de mon personnage. C'est juste que je ne sais pas où elles sont et je ne sais pas vraiment ce qui m'attend dans l'intervalle. Il y a évidemment beaucoup d'ennemis, de gens qui veulent ma peau, alors je ne sais pas vraiment ce qu'ils font, ils exécutent un mort. Bon. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, quand on décède, on revient. On est damné, hein, c'est un peu le principe. Il y a aussi un coffre, justement. Donc on y trouve des armes. Des armes et également des pouvoirs. Ça, c'est un skill passif, un charme, qui me permet de reprendre de la vie quand j'étais touché si je me mets à couvert. C'est très utile. Et là, je vais prendre ce portail pour me téléporter. Sachant que, justement, par exemple, la téléportation n'est pas disponible. Au début du jeu, il faut vaincre un boss en particulier qui nous offre ensuite cette possibilité. Donc c'est suffisamment varié, j'ai envie de dire, à ce niveau-là pour avoir envie de progresser. Là, normalement, j'ai débloqué une autre rune qui me permet, a priori, de débloquer autre chose dans le deuxième niveau du jeu. On va essayer d'y aller, donc de ne pas mourir avant. Alors ces ennemis n'aiment pas la lumière. Vous voyez, ça les étourdit quand j'allume ces lampes. Hop. Et c'est à la fois un jeu d'action donc assez, j'irais assez actif, assez dynamique, mais il faut quand même bien jouer avec les couvertures. Il ne s'agit pas d'aller à fond les ballons et de voir ce qui se passe que. Les ennemis font très très mal et ils sont évidemment en supériorité numérique. Donc j'attends un peu parce que mes armes rechargent, on voit les balles en bas à gauche dans l'interface. Et là je suis équipé à la fois d'un pistolet et d'un fusil à pompe, qui étaient les armes de base. Il y a quatre types d'armes. À côté de ça, il y a aussi. Alors là en fait, là j'ai un revolver, pas un pistolet. Les pistolets, justement, c'est l'arme la plus basique du jeu en un sens. C'est celle qui ressemble à ce qu'on peut imaginer. On a juste appuyé sur une gâchette, joué à la manette pour tirer. Alors que le pistolet, on peut rester appuyé et ça va vider le chargeur. C'est très très rapide, ça fait peu de dégâts en revanche. On a les fusils, donc qui eux requièrent en fait de rester appuyé pour les charger et faire un maximum de dégâts. Les pompes, c'est très basique aussi, mais c'est à très courte portée. Mais on va en trouver des armes de toute façon. Sachant qu'il y a des armes de base dans le jeu, et il y en a d'autres en fait qu'on débloque au fur et à mesure des runs avec ce qu'on appelle les points de péché qui apparaissent en bas à droite. À chaque fois qu'on termine un niveau, on va finalement échanger ces points de péché contre du matériel. Ce qui fait qu'il y a une sorte de progression méta dans le jeu. Et on ne se contente pas juste de mourir et de commencer à zéro. Voilà, pour éviter quand même qu'il y ait une frustration trop importante. Donc voilà, je viens de tomber sur un hôtel qui me permet d'augmenter trois différentes variables. La première, c'est la résistance, en fait la santé de mon personnage.
Ça augmente également mes dégâts de corps à corps que j'utilise très peu. La deuxième, c'est ce qu'ils appellent la perception, simplement le dégât des armes qui est augmenté, ce que je vais prendre ici. Et la troisième, c'est pour augmenter le dégât des compétences, ou c'est pas vraiment le dégât, mais également leur temps de rechargement. J'en ai pas pour le moment, on va en trouver sur le chemin, donc on pourra voir ça après. Tiens, là je tombe sur une arme également. Un fusil à pompe, alors typiquement c'est pas un fusil à pompe qui était disponible de base, donc je l'ai débloqué celui-là. Et je vais remplacer donc celui qu'on m'a donné, parce que vous voyez, il fait plus de dégâts. Il a aussi 2 balles dans le chargeur au lieu d'une, et il a le même temps de rechargement, donc c'est vraiment une arme supérieure. Par contre, je pense qu'il a une portée un tout petit peu plus faible. Hop. Alors, encore une arme devant moi. Pareil, que j'ai débloquée. Donc celle-ci est vraiment pas mal. Elle a 5 balles dans le chargeur, donc ça permet de voir venir. Par contre, c'est un fusil. Donc, comme je vous le disais, il faut rester appuyé. Vous voyez, ça charge l'espèce de l'icône en bas, et ensuite on relâche. Alors ça, c'est une pièce qui est entièrement plongée dans le noir, donc on va voir ce qui se passe. Ah! Une sorte de mini-boss. Un hors-la-loi. Donc on a notre narrateur qui raconte des choses. Alors je suis pas sûr que tomber sur un hors-la-loi là maintenant, alors que je suis pas du tout stuffé, soit une bonne nouvelle, mais. Oula! Donc là vous voyez, j'ai pris une couverture, du coup j'ai récupéré un tout petit peu de santé. On a des couvertures, mais celles-ci sont temporaire. Là, j'utilisais mon pompe. Oh là là. Boum. T'es mort. Alors, le narrateur est Ron Perlman, qui est assez connu. Il a une voix bien badass. Le seul défaut du jeu, c'est que les autres PNJ n'ont par contre pas de doublage, donc c'est un peu étrange. C'est comme s'ils avaient mis tout le budget dans cet acteur et ils n'avaient pas pu prendre autre chose. On tombe sur des caisses comme ça, qui sont simplement des caisses d'argent, parce qu'il y a des marchands qu'on croise régulièrement dans les niveaux. Hop, je suis allé au bout de ça. On va revenir au croisement précédent. Donc là, il m'a peut-être donné un souvenir à ce hors-la-loi. Quand j'aurai fini le niveau, j'aurai peut-être du coup une toute petite cinématique qui m'aide à comprendre en fait l'histoire de mon personnage, son passé. Oups. Oui, je suis un peu un pleutre dans certaines circonstances, mais le jeu m'y invite aussi. Ah, tiens. Donc là, quand même, en récupérant cette arme, tout de suite le fusil est beaucoup plus efficace que ce que j'avais à la base. Ça fait plus de dégâts. Boum. Encore un portail. Décidément, on peut se téléporter partout dans ces cryptes. Alors, parmi les quelques défauts du jeu, je dirais, il y a des glitches, premièrement, même s'il y a eu des patchs déjà. Donc ça, c'est évidemment un problème, dans le sens où j'ai déjà été un peu bloqué dans le décor. Et ce que je dirais, l'autre, c'est assez classique, c'est les ennemis. Oh non, j'étais touché. Faut que je me prenne à couvert pour reprendre de la vie. Et donc oui, les ennemis parfois sont plus que pas malins. Ils se bloquent un peu de façon stupide. Je vais allumer cette lampe, ça va l'étourdir lui. Voilà, tac. C'était un lanceur de dynamite. Et vous voyez, les couverts aussi disparaissent quand on tire dessus, mais ils réapparaissent ensuite. Donc on peut pas avoir une salle non plus complètement dénuée de couverture. Donc voici un fameux objet, une compétence. C'est une dynamite de niveau 1. Donc je peux désormais lancer une dynamite comme ça, boum, ça fait péter. Et ensuite il y a un temps de chargement assez long par contre. Et voici un marchand. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent, 329, si peut-être que je peux acheter quelque chose, est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment, je préférais garder mes ressources. Il est un petit peu déçu, je le comprends.
Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ah bah, on a le choix, on a deux chemins qui n'ont pas été explorés encore. Dans l'ensemble, je passe quand même un bon moment sur le jeu parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Et c'est pas évident, mais je trouve les combats sont quand même assez sympas. Donc même si on a tendance à les refaire un peu ad nauseam, ça me dérange pas plus que ça. Les armes ont une bonne sensation. Et je suis encore au stade où j'ai des choses à découvrir dans le jeu, dans les différents chemins, les boss qu'on trouve. Ah, j'étais pas en couverture malheureusement. Hop, t'es mort. Oui, les petites boules là sont les fameuses âmes qu'on pourra échanger à la fin. Tiens, il y a de la santé ici. Je peux également utiliser ma fiole de santé, mais c'est vrai que sur le premier niveau, là, vu comme je suis stuffé à l'heure actuelle, j'avoue le jouer un petit peu en dilettante parce que je suis pas trop inquiet. Donc à chaque fois qu'on tire, on a quand même une probabilité de d'étourdir aussi la cible. Tiens, là je tombe sur une fiole, ça va m'aider soit à trouver des nouveaux objets, soit à progresser pour les débloquer. Là on a un portail un peu spécial qui nous enverrait vers un chemin alternatif. Ce qu'on ne va pas faire ici, ça nous enverrait dans le bayou. Ah, voici la sortie du niveau. Donc je reviens en arrière simplement pour être sûr d'avoir bien vidé ce niveau. Et n'avoir rien oublié, que ce soit arme ou montée en compétence. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc regardons où on est. Ok. Donc ça sert à rien de me téléporter pour le coup. À pied, ça ira aussi bien. Alors visuellement, c'est quand même pas mal du tout. Cell shading. Certains environnements, en revanche, plus tard, sont pas hyper inspirés, je trouve. Boom, un petit coup de pompe. Oui, ils sont pas toujours réactifs quand on entre dans une salle. Alors, je pense que c'est fait pour, hein, parce qu'évidemment, ils ont l'avantage du nombre, mais parfois aussi de la lumière. Parce qu'eux peuvent nous tirer depuis l'obscurité. Nous, on peut tirer sur eux, mais le système de visée est beaucoup plus délicat, et on a une grande chance de les rater. Voilà ce que je vous disais, il nous restait un hôtel à visiter. Alors, je vais encore augmenter la puissance des armes. J'en use et j'en abuse. Et on va passer au deuxième niveau. Donc comme je vous disais, visuellement je trouve ça très réussi. Sauf voilà, certains niveaux qui manquent un peu d'inspiration. Mais j'aime bien la patte. En revanche, la caméra est parfois un peu capricieuse. On la maîtrise pas. Elle est gérée automatiquement. Et dès qu'on entre en combat, en fait, il y a une sorte de petit dézoom qui apparaît. Qui fonctionne à 90% des cas, mais il y a effectivement 10% où c'est quand même un peu plus maladroit, on va dire. Donc là, on termine un niveau, donc c'est réussi, on va passer à la suite et on rencontre la sorcière, c'est avec elle on échange nos fameux points de péché pour augmenter les compétences. Sauf que là, comme j'ai en plus affronté cette espèce de hors-la-loi qu'on a vu tout à l'heure, on va avoir le droit à un petit souvenir. Alors c'est très très simple, je pense que c'est pour des raisons aussi de budget. Voilà, c'est la narration se fait avec des cinématiques assez basiques. Mais il y a ce côté très sympa de la voix off qui fonctionne très bien. Qui nous raconte un petit peu une de ses expériences. Et plus on défait ces mini-boss, plus on avance dans l'histoire au sens général et aussi on délivre des âmes, on va peut-être tomber là-dessus, plus on en apprend sur notre personnage. Voilà, la petite histoire est passée. Maintenant on peut justement, comme je vous le disais, échanger nos péchés. Pardon, je voulais pas faire ça. Donc vous voyez, là il y a plein de choses qui sont encore bloquées. Par exemple cette flasque de santé supérieure qui me permettrait d'avoir 3 shots au lieu de 2, mais il y a aussi plein de types d'équipements, plein d'armes qu'on découvre aussi au fur et à mesure, comme tout à l'heure avec l'espèce de seringue là, que j'ai trouvé.
Alors, moi, actuellement, je suis sur le triple shot, on dirait un pompe qui m'intéresse. Donc là, il me manque 49 points pour le débloquer. Et là, j'ai récupéré 12 âmes. Donc, on passe à 37. Mais il y a aussi des armes ou des compétences qui sont à plus de 300. C'est un peu grindy quand même sur les bords. On retrouve le barman, lui, il nous remet notre santé à fond et il remplit aussi les fioles qui apparaissent à gauche. Voilà, faut pas trop les conserver non plus. Quand on a besoin de santé, il faut la prendre. Et donc on passe au niveau 2, qui s'appelle la chasse, sauf si j'avais pris donc la fameuse sortie alternative. Et en tout, il y a donc 3 chapitres, et le quatrième, c'est le boss. Et il y a 2-3 niveaux par chapitre, plus l'espèce de route intermédiaire. Oula, il y a du monde là. Donc là, il y a un méchant. Vite, on allume. Je l'ai raté. Décidément, il a des points de vie, ça. Cette espèce de charognard. Hop, donc là, a priori, il n'y a plus d'ennemis. Il y a une sorte de riff de guitare qui accompagne la fin d'une salle. Hop. Impeccable. Alors, j'ai différents types d'ennemis encore. Alors, j'ai voulu utiliser une dynamite. Mais j'avais légèrement oublié qu'elle n'était pas encore rechargée. On va le faire maintenant. Voilà, bonne combinaison. Il a quand même eu le temps d'en envoyer une. Plus d'ennemis aux alentours. On va quand même allumer cette lampe au cas où. Non, c'est bon. Petit téléporteur. Hop. Ça se joue clavier-souris aussi. J'ai pas essayé, j'avoue que je pense que ce jeu a été prévu pour une manette à la base. Alors, encore des ennemis. Oui, quand ils sont dans l'ombre, ils sont vraiment difficiles à voir, sauf quand on les a touchés quand même. Oh non! Ouf. Oh, il m'a fait mal. Vite, il faut que je me remette là pour reprendre un peu de vie. Là, je suis en train de tirer dans le mur en fait. Ah, là, c'est bon, j'ai un visuel sur lui, donc vous voyez, là, les problèmes de caméra sont typiques dans ce cas-là. Le lanceur de dynamite ne fera pas long feu. On récupère l'âme du monsieur qui était là-bas. Et on avance. Alors, ce qui est particulier quand même, c'est que les runs, si vous voulez aller au bout, sont assez longues. Je dirais bien une ou 2 heures. Après, ça dépend si vous êtes ultra agressif ou non, comme style de joueur. Mais ça rend aussi le côté frustrant parfois assez présent. C'est-à-dire que quand vous avez fini une run, en relancer une juste derrière, c'est quand même difficile. Cet ennemi, je vais prendre de la santé parce que là, à force de faire n'importe quoi, ça descend pas mal. Et comme j'ai pas augmenté ma compétence de vie, j'ai que 100 points maximum. Alors là, j'ai un ennemi dans l'ombre, mais je vois à peu près où il est. Une fois qu'on l'a touché, au moins on a sa barre de santé qui nous guide. Et lui, il m'a oublié en revanche. Bon, impeccable. Comme je vous disais, l'IA n'est pas toujours fantastique. Mais ça compense un petit peu la difficulté parfois ridicule du jeu. Hop. Toutes ces portes, on les ouvre en fait au corps à corps. Alors, encore un croisement. Ah non, c'est le marchand. Pas mal. On va vérifier. Ouais, c'est que du niveau 1 que j'ai, parce que les arbres montent en niveau aussi. Donc il y a toujours un intérêt à débloquer au cours d'une run. Je vais plutôt prendre celui-là parce qu'il a un peu plus de portée. Voilà. Alors lui, à chaque fois, il a son dialogue, c'est un peu pénible, parce que j'ai pas spécialement envie de te parler. Alors, qu'est-ce que j'ai pas visité? Voilà, par là. Hop. Et là, je cherche une sortie alternative. Typiquement,
Elle était buggée la dernière fois que je suis venu, donc assez frustrant. Ça y est, hop, j'augmente ma santé, j'avais 100 points de vie, vous voyez, je passe à 191. Donc c'est quand même pas négligeable. Tiens, on trouve une autre compétence, ça permet de recharger ses armes plus vite, donc c'est quand même très situationnel. Ah, oh, il y a un gros à gauche là. Oh, ils sont pénibles ceux-là. Est-ce que j'ai une vue sur toi? Oui. J'ai fait tout ce que je... Oh, il a réussi à me toucher. Là, je l'ai raté par exemple, juste parce qu'il est dans l'ombre en fait. Boum. Alors, on va revenir dans la pièce, et là, typiquement, parfois, on peut être en difficulté, mais là, ça a l'air pas trop mal. Ah, il a repris sa santé, lui. Ou c'est pas lui. Il est très très dangereux, ce garçon. Bon, c'est un gros pépère. Donc, au moins, je peux pas trop le rater dans le couloir. Ah, il a aussi lâché une fiole, lui. Blaster Remnant. Peut-être que ça nous aide à progresser ou à débloquer encore une fois un nouveau type d'équipement qu'on n'a pas encore récupéré. Alors, on est revenu ici. Donc, ils peuvent sortir de leur pièce, hein, bien sûr, les ennemis, du coup, comme vous pouvez le constater. Donc, cette technique du coir que j'utilise n'est pas toujours bonne. Typiquement, la caméra, quand il y a une sorte d'escalier comme ça, c'est assez maladroit. Mais il n'y a pas d'ennemis ici, donc ça rend les choses un peu plus faciles. Oui, la caméra là part dans tous les sens parce que, évidemment, je passe d'une direction à l'autre, etc. Tiens, de la santé, on va la prendre. Qu'est-ce que j'ai ici? Encore une pièce. C'est bien de tirer à distance. Voilà. Hop là. Ah, il y a un ennemi derrière, ça c'est pas bon. Non. Hop, un coup de dynamite. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gars ici en fait. Là, ça, c'est pas encore dramatique dans ce genre de niveau, mais quand on est vers la fin du jeu, prendre une seule balle, ça peut faire perdre une bonne partie de la vie. Ah, c'est exactement ça, normalement. Donc là, c'est... Bah oui, j'ai un énorme bug. Parce que j'ai récupéré la rune... Ah non, voilà, je suis une mauvaise langue. J'avais récupéré la rune qui permet d'ouvrir les portails de fer, et donc on va pouvoir lancer une zone que je ne connais pas. Intéressant. Mais on va d'abord finir de vider le niveau quand même. Est-ce qu'un pistolet c'est mieux? Pas forcément. Je pense que les charmes ont aussi un niveau, mais c'est pas écrit sur eux donc. Donc tant qu'on est en train de viser, en fait, on peut pas recharger ses armes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Oh, il y a un méchant là. Donc là, je vais tirer au jugé. Cool. Ça s'est bien passé pour moi. Mais comme ce type d'ennemi, par exemple, ils ont toujours deux... Voilà, il y a le méchant là. Oh, lui, il fait mal. Au corps à corps comme adversaire. Hop, ah tiens, on a trouvé la sortie entre guillemets officielle. Tant qu'on n'a pas justement la fameuse compétence pour casser les barres. Comment on est sur la carte? Ah, y a encore des chemins qu'on n'a pas vus, hein.
Bon, donnez-moi un portail. Ah, là, par exemple, j'ai pas exploré. Ah, je suis un peu confus là. Ah, c'était pas la sortie que j'ai vue tout à l'heure là. Ah non, c'est là où j'étais juste avant. C'est ce que j'ai ouvert. Je me suis auto. Ok, donc c'est la fameuse sortie vers les canyons qu'on ira visiter ensuite pour terminer cette fantastique vidéo. Mais avant ça, est-ce qu'on peut juste aller chercher des armes et des compétences en plus? Car il ne s'agit pas de rusher ces niveaux. Il s'agit de faire au mieux pour se préparer pour la fin du jeu. Alors là, par exemple. Et là, il y a des méchants, hein, parce que. L'espèce de hachette, c'est le gros là. Voilà, bah, tiens, il arrive. Bonjour! Oh non! Attends, il m'a eu de là-bas. Voilà, il était un petit peu anémique là. Là, typiquement, je suis face à deux ennemis qui sont dans le noir. Hop. Donc là, j'essaie de tirer dans la direction des tirs et je crois que je l'ai eu en fait. Et oui, mon gars. Hop, encore une porte de sortie. Je pense qu'on va finir ce niveau et ce sera suffisant. Ah, voilà ce que je cherchais. Je vais encore augmenter le niveau de mes armes. Je suis pas sûr de savoir quelle combinaison est en fait la meilleure. Est-ce qu'il vaut mieux vraiment investir sur la santé, sur le long terme? Pas sûr. Il en faut, hein, ça c'est clair et net, mais. Hop. Ah, l'enfoiré. Voilà, t'es mort aussi. Je sais pas si j'ai encore vu un coffre dans ce niveau. Parce que j'en ai tombé sur le marchand. Et voilà, c'est ça, il me manquait le coffre. Ça se trouve, il n'y aura rien d'intéressant dedans. Effectivement, c'est bien pourri. Hop. Impeccable. Et donc, il ne nous reste plus qu'à prendre cette sortie. Découvrir les canyons. Impeccable. Voilà. Quest of Dead, c'est quand même plutôt pas mal, mais ça mériterait un tout petit peu plus de polish de la part des développeurs pour en faire un jeu vraiment extrêmement recommandable. Et voilà, et on s'en va. On va juste regarder à quoi ça ressemble en termes de style. Je me doute qu'il y a également un mini-boss particulier à affronter. Hop. Où es-tu, mon fameux? Voilà. Je vais bientôt pouvoir le débloquer et du coup quand il sera débloqué il entrera dans la rotation. Comme les autres armes. Alors plus vous avez d'armes par contre et plus ça augmente la... Plus ça fait baisser la probabilité de les faire apparaître, bien sûr, puisque vous tapez dans un pool avec beaucoup plus d'objets qu'avant. Et voilà les canyons. Hop. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut évidemment sauvegarder au cours d'une partie. Oh, j'ai directement un coffre. Donc généralement, les
chemins alternatifs sont beaucoup plus durs, mais ils offrent du matériel beaucoup plus élevé direct, donc ça permet de se stuffer très vite. Vous voyez, je suis déjà niveau 5 là, avec cette arme, alors que j'ai été qu'à du niveau 3 maxi. Ok, c'est pas mon fusil préféré, mais on verra ce que ça donnera. En attendant, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, la zone de commentaires est faite pour ça. Et je vous remercie une fois plus de m'avoir suivi la chaîne Leifentsukoi, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous.